Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je suis dans ma peau. Et comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo qui est sortie, aujourd'hui c'est le grand déménagement. Et on remonte avec tous les animaux en Bourgogne, donc on a 4 heures de route, quelque chose comme ça. On l'a déjà fait une fois l'année dernière, mais vu qu'aujourd'hui j'ai plein de choses à faire, je me suis dit que ça serait cool comme d'habitude de vous emmener avec moi. Donc pour vous donner une petite idée, on va partir ce soir vers 19h30-20h. Mon père va venir et on va charger la voiture et puis après on part avec les animaux du coup. Et avant ce matin, il faut que je fasse plein de choses, il faut que j'ai le râtelier des cochons, des lapins à démonter. Je dois démonter aussi un petit bout de château, je dois m'occuper de nettoyer, mais de fond en comble, l'enclos des cochons d'Inde, ça va pas être rigolo ça. Il faut que je fasse toutes les boîtes de transport des animaux, il faut que je finisse les affaires des animaux et les miennes. Enfin, voilà, je pense que j'ai pas tout dit, mais j'ai vraiment plein de petites choses à faire. Donc on va faire ça aujourd'hui et après ce soir, bah, on partira. Et comme ça, on arrivera, on mettra tous les animaux dans leur nouvel environnement. Et bah, je vous montrerai un petit peu ce qui a changé et tout. On verra ce que j'ai le temps de vous montrer ce soir, quelle heure il est, quand on arrive, suivant l'heure où on part. Enfin voilà, on verra bien. Comme d'habitude, n'hésitez pas à venir nous suivre sur Instagram pour suivre toutes nos aventures au jour le jour. Du coup, on a petit Fifty qui a tout ce qu'il faut encore. Oui, demain tu pourras sortir, Fiftouille. Un dernier terrier pour Frosty avant de partir quand même. T'inquiète pas, t'auras l'occasion. Putain, t'es dégueulasse, Frosty. T'auras l'occasion d'en refaire. En plus, hier, il a plu. Oh, mon pauvre lapin. Du coup, ce matin, j'ai pas fait grand chose. Clairement, il est 11h et j'ai juste fait des mails, des trucs comme ça. Et là, je vais préparer ma vidéo comme ça. Elle se postera toute seule. Je vais aller tout à l'heure. Et ça sera une bonne chose de faite. Et après, on ira s'occuper de l'enclos des chanchons. Du coup, j'ai mis les chanchons sur la terrasse. Genre, là, on voit Gucci et Hermès, il est pas loin. Je vais fermer, je leur ai juste mis une gamelle d'eau et ils vont passer l'après-midi là. Comme ça, ça me laisse le temps de nettoyer bien comme il faut l'enclos qui est dans la chambre. Je les enfouis, il fait frais et tout. Donc, ça va. T'es intéressé, Roméo? Du coup, là, en fait, j'ai enlevé tous les draps et tout qui traînaient. Vous voyez, il y a plein de traces d'urine parce que je suis partie une semaine. Et du coup, j'ai pas nettoyé. Enfin, je suis rentrée il y a 2 jours, mais je suis de toute façon, aujourd'hui, je nettoie. Donc, ça sert à rien. J'étais pas toujours prêt. Bah en fait le problème c'est que vu que ça s'est accumulé, bah maintenant ça s'enlève plus facilement comme avant. Et puis il y avait aussi quelques traces qui étaient derrière des meubles et tout qui traînaient. C'est des petites crottes qui sont collées et tout. Enfin bref, faut que je fasse vraiment un bon nettoyage. Et c'est vraiment chiant parce que l'urine du cochon d'Inde ça reste, mais ça reste bien. Et encore heureusement j'ai du carrelage et plein d'autres trucs. Donc là je mets de l'eau chaude. Donc là, je vais mettre, j'ai pas de vinaigre blanc mais je sais un autre truc de vinaigre, ça fera l'affaire. Citron. Je prends du bicarbonate de soude comme ça. Et du coup là je vais mettre un peu de bicarbonate de soude. Moi j'en ai mis beaucoup. Parce qu'en fait là il y a des traces d'urine qui sont très vieilles et que ça j'arrive pas à enlever. Et celles qui sont genre qui datent de la semaine dernière vont partir toutes seules. Mais j'en mets quand même, ça va aider un petit peu. Et sans se brûler les pieds, on met l'eau chaude avec le citron et on laisse agir. On va voir si ça marche. Bon du coup ça fait 1 heure, je vais passer un coup de serpillet, après je vais frotter au balai brosse, on va voir ce que ça donne. Et voilà du coup c'est tout propre, il faudrait juste que je passe un dernier coup de serpillet global. Et là on a petit Pluton qui fait sa petite sieste et on va descendre un peu, faire plein de choses qu'il faut que je fasse comme ça. Et je verrai un petit peu à quelle heure où, enfin n'importe quoi, je verrai un petit peu où j'en suis au niveau des horaires et tout, s'il faut que je me presse ou pas. Là il est 15h, mon père arrive à 19h un peu avant. Je vais sortir les poules et les canards, j'ai réussi à trouver Miel que j'ai enfermé dans un clapier, donc Fifty est déjà puisque elle sort encore de sa stérilisation de la semaine dernière. Miel est dans un clapier du coup comme ça tout à l'heure.
faudrait la mettre dans votre transport, j'aurais pas eu courir après si elle va dans un terrier. Et il faut que je trouve Frosty, que je vois pas, donc il est sûrement dans un terrier. Donc dès qu'il sort, j'essaie de l'attraper. Puis là, on va démonter des trucs du coup. J'ai remonté tout ce qu'il y avait en bas, même les boîtes de transport, parce qu'en fait on va tout mettre dans la voiture je pense avec les boîtes de transport. Et après on enlèvera les boîtes de transport et on ira chercher les animaux. Mais comme ça on verra un petit peu ce qu'on a à la place de mettre, s'il y a des trucs qu'il faut que je laisse. Il y aura souvent des trucs qu'il faut que je laisse. Voilà, que je fasse mes sélections et tout, et qu'on voyait un petit peu ce qu'on a comme place dans la voiture. Puisque le plus important c'est les animaux et les boîtes de transport en priorité. Ça c'est le truc qu'on laissera pas. Donc voilà, donc j'ai tout fait pour les... J'ai mis du foin parce que j'avais plus de paille, mais bon c'est pareil, et de la verdure pour les lapins. Après j'ai toutes les boîtes de transport, donc les canards, 50, miel et Frosty et tulip et pivoine. Oui, ou l'inverse, je sais plus laquelle j'ai mis pour qui. Après j'ai tout remonté. Le sac de granulés des lapins, faudra que je coupe au-dessus parce que ça prend un peu trop de place, ça sert à rien. Et j'ai transvasé le sac de granulés des couchements qui était comme ça mais quasiment vide dans un plus petit sachet, que ça sert à rien que le sac en carton prenne plein de place. Donc voilà, comme je vous dis, on a vrai, c'est que les affaires des animaux, et encore j'ai eu d'autres affaires des animaux en haut. Donc j'espère que ça, enfin franchement, je sais pas comment ça va faire pour tout rentrer, mais il faut juste croiser les doigts. Parce qu'en plus il y a les boîtes de transport des chats qui sont encore en haut. Pour les boîtes de transport des chats, elles sont déjà prêtes. Puisque du coup, hier on est chez le véto pour leur vaccin, donc c'est bon. Je vais juste rajouter ça, donc c'est le mini format voyage chez le Au Calme. Et je vais mettre ça dans les boîtes de transport, j'en mettrai un peu aussi dans la voiture. Voilà, c'est pour qu'ils soient un peu plus détendus, mais un peu, je le fais avant que de les mettre dedans quand même. Hop là, c'est Biovetol. De toute façon, vous avez le code promo dans la barre d'infos, sinon je vous le remettrai là. Donc les jouets, ils ont une petite boîte, c'est un peu petit, mais bon, c'est bon. J'en ai plus des grandes, mais c'est pas très grave, puisque eux, l'avantage, c'est qu'ils mangent dans toutes les situations possibles et imaginables. Donc je leur ai mis un petit plaid, j'ai mis l'eau au calme, mais le verre sur NAC. Il n'y a pas grand chose qui change, hein, si... Enfin, parce que j'ai... Enfin, vraiment, pour les poules, dans la voiture, il y aura du au calme NAC ou du au calme chat, ça va quand même les détendre aussi. Mais c'est juste que, bon, y a quelques petits ingrédients. Et donc j'ai mis d'abord l'eau au calme, et après j'ai mis du coup plein de verdure. Il y en a vraiment plein, mais couchant, je sais qu'ils vont beaucoup manger par rapport aux lapins qui, ça se trouve, ne vont même pas y toucher. Et du coup, alors il m'en reste un petit peu, donc je vais leur donner. Viens là les chouchous. Regardez, c'est là. Alors là il est 16h30 tout pile, j'ai fait quasiment tout ce que je vais avoir à faire, faudra surtout que je descende toutes mes affaires, mais je vais attendre un petit peu. Et bon là du coup ce que je vais faire c'est que je vais commencer le montage de cette vidéo. Les chouchons vivent leur best life, clairement ils mangent en fait tout simplement, c'est leur meilleur truc. Donc voilà, je sais pas si je vous l'ai dit mais j'ai trouvé Frosty, je l'ai enfermé. Et les deux chats, Mercure et Pluton, ils sont tous les deux à l'intérieur, je sais pas où, je vais pas chercher, mais ils sont à l'intérieur. Ils sont sûrement dans ma chambre, donc ça c'est bien, ça veut dire que j'aurai à courir après aucun animal. Enfin,
Les poules, ça sera peut-être un peu plus compliqué à attraper, mais ça va le faire sans problème. Voilà, le plus compliqué, c'est les lapins s'ils sont dans leur terrier. Et forcément, les chats, s'ils sont pas à l'intérieur, en général, quand je les appelle, ils reviennent, mais s'ils sont un peu trop loin et qu'ils m'entendent pas, ils reviennent pas. Et donc, ouais, ce serait vraiment trop galère au dernier moment de s'y prendre. Donc, voilà, c'est parti. Et là, on est un petit peu tranquille, parce que mon père, il arrive, ça va être montage, je vais avancer un petit peu tout ce que j'ai à faire. Bon, bah, j'ai trouvé Mercure et Pluton. Je n'ai pas beaucoup cherché, hein. C'est sûr. Du coup, là, il est 18h, je vais descendre toutes les affaires. En bas, avec les affaires des animaux que j'ai mis tout à l'heure, comme ça quand mon père arrive, il arrive parce que du coup il arrive de chez lui, là je suis chez ma mère, avec sa voiture, qui est ma voiture, mais qui est sa voiture, vous avez capté. Sauf que Titine, en fait elle a beaucoup beaucoup chauffé ces derniers temps, donc on allait voir le garagiste et tout, normalement elle a trouvé la solution, mais on n'a pas fait de gros voyage depuis, en fait dès qu'il y avait des bouchons, elle se mettait dans le rouge direct, donc pour ceux qui ont des voitures. Vraiment, elle se mettait dans le rouge en 3 minutes dès qu'il y avait des bouchons. Donc voilà, c'est pour ça que là, on part assez tard pour pas qu'elle chauffe trop. Et que si elle chauffe, bah, on met le chauffage pour qu'elle déchauffe. Et qu'on ait pas... Parce qu'à la fois, quand on est venu en juin, il y en avait mis le chauffage, il faisait déjà 35 degrés, c'était une horreur pour nous. Les animaux aussi, c'était pas très cool pour eux. Donc voilà, là, on s'est dit qu'on allait faire comme ça. C'est pour ça qu'on part tard le soir. Enfin, tard, non, mais voilà, on part un peu plus tard. De base, on voulait partir vraiment à 22h, mais comme là, le garagiste, il a potentiellement trouvé le problème, on s'est dit, on va partir un peu plus tôt parce que demain, je dois amener mon père à 7h à la gare. Donc voilà, faut quand même que je dorme un petit peu parce que ça fait 3 mois que j'ai pas conduit. Donc voilà. De toute façon, demain, vous aurez sûrement un nouveau vlog si je survis. On verra bien. Et voilà, donc là, il faut croiser un petit peu le doigt pour que ça se passe bien avec la voiture. En plus, elle va être chargée et tout. Mais j'espère vraiment. Voilà. Je vous ai fait une petite explication sur Pluton qui est trop 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 mignon. Ah, je meurs pour mes chats. Les lapins, on est bon. T'as réussi à battre tous les lapins déjà? Oui, mais il me reste plus que les canards et les chouchons du coup. Allez, venez. Voilà. Allez là. Voilà, c'est bien. Voilà. Voilà, on a tout vidé et je vais aller m'occuper des chouchons. Donc j'ai installé les chouchons, je vais juste leur ajouter une gamelle d'eau, mais j'ai fait un petit truc tout simple, c'est juste pour la nuit et demain je leur ferai un truc mieux parce qu'il est déjà presque 1h du mat. Alors je vais vous clôturer la vidéo sur les chouchons. Je suis désolée, je vous ai pas beaucoup montré le déménagement, mais on essaye de faire vite et bien, puisque voilà, aussi bien pour les animaux que pour nous, c'est fatigant, c'est long. Et plus vite c'est fait, mieux c'est forcément, et à chaque fois quand je filme, bah ça fait perdre du temps et tout. Ça, le bruit c'est des chats qui font des trucs bizarres. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Demain je vous montrerai un peu mieux tous les habitats et tout. Je vous expliquerai peut-être un peu plus de trucs et tout, là vraiment je fais simple. En tout cas, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner.